Cette musique, la coupe aux grandes oreilles, on y est dans un instant. C'est le grand match, c'est la finale de la Ligue des Champions. Qui va prendre le dessus dans ce duel? C'est la grande question du jour. Plus que deux clubs au sommet donc du football européen et il ne pourra en rester qu'un seul. C'est la finale de l'UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain contre Valence. Une finale d'UEFA Champions League, c'est quelque chose d'énorme. L'occasion ne se reproduira peut-être. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Oui, la parade. Les joueurs qui débutent côté PSG. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Milan Skriniar avec Marquinhos en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Ah, la frappe, ça part bien. Oui, joli réflexe. Le point de pénalty. Oh, la parade exceptionnelle. Tout le monde l'a vu dedans, cette tête. Et oui, tout le monde, sauf le gardien. Quel arrêt hallucinant. Un corner qui est bien ajusté. Bon, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Fabien Ruiz avec le ballon. Et bonne séquence, ballon en retrait. Oui, bon rejoint là-dessus. Ça va vers le point de pénalty. Pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Ça sort en touche. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment qu'il y a des. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force et des caractères qui l'empêchent de ressentir la pression de l'adversaire. Dembélé qui s'applique. Quelle action splendide! Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade! Bien tiré dans la surface. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Voilà un ballon bien gratté là. Ballon pour Kylian Mbappé. Mbappé la frappe. Ouais, le gardien se couche bien sur ce ballon. Le corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Ça tape la barre et ça revient. À l'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. Hé, hey, poteau, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas prendre un retraité? Partir en week-end pour le laisser prendre à l'avantage? Attention, c'est peut-être une nouvelle chance justement là. Allez, c'est bien défendu sans commettre de faute.
Gaïa reçoit le ballon. L'occasion de prendre l'avantage. Elle a frappé contrée. Et un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Avec le gardien, intervention du gardien. Et finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. Le travail est fait dans les cages sur cette intervention, même si le ballon revient dans les pieds d'un adversaire. Là, c'est la défense de réagir, de se jeter pour empêcher la frappe. Il y a beaucoup trop de facilité dans cette défense. Il faut mettre le pied, faire quelque chose. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Le début de la deuxième mi-temps, le PSG qui mène toujours d'un but dans cette rencontre. Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Bien donné ce ballon. Oh, il y a encore le feu. Oh, quel opportuniste. Un ballon mal repoussé. Et derrière, c'est bien repris pour faire la différence, pour marquer. Qu'est-ce que c'est ingrat d'être dans les cages. Je n'aurais jamais pu être. À cause de des actions comme ça. Tu fais la reine, tu contrôles mal le ballon. Derrière, c'est le but. Terrible. Et avec ce but, score de parité, un partout. Mbappé. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Et ça peut être dangereux. Pour prendre l'avantage, quelle finale et quelle invention! Si après cette inspiration, cette intuition, vous êtes pas dans l'extase, mettez le pyjama et allez vous coucher, monsieur. Mbappé qui comporte son billet, il laisse le défenseur sur le quai. Et à la finition, on retrouve Mbappé qui prend le ballon du coup du pied et prend. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et non, c'est rendu ça. Et là, avec une position de hors-jeu. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Lucas Hernandez.
s'est dégagé en touche. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Et le remplacement peut avoir lieu. Dans le camp adverse. La passe vers Mukiele. Oh, c'est contré! Des solutions en attaque là. Il y a la place pour un bon centre. La passe vers Mukiele. Avec Mbappé. Mbappé la frappe. Ah, c'est bien joué ce petit ballon placé, mais c'est au-dessus. Ah ben, c'est un changement donc. C'est la dernière minute. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Il remporte cette Ligue des Champions. Vamos, grande los campeones. Et oui, ils l'ont fait. Ils ont été chercher la victoire sur le toit de l'Europe. On peine à y croire, c'est un moment extraordinaire sur le terrain. Certains sont heureux, effondrés, d'autres sont en larmes. Quelles images. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de le dire. Gracias, football. Gracias, football. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début des matchs, ils n'ont même pas voulu regarder la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper, ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes. Et voilà, le Paris Saint-Germain brandit la Ligue des Champions. En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. La cérémonie continue avec cette communion. C'est l'heure maintenant d'aller présenter la Coupe aux supporters. Ils les ont soutenus, ils les ont portés tout au long
que cet incroyable parcours. Et oui, parce que le football, c'est ça. Le football, il nous promet des émotions et de la beauté. Il n'a pas plus belle consécration. La photo de classe maintenant, moi je me mettais toujours au premier rang sur le football, vous savez pourquoi ? Oui, évidemment, comme tous les petits. Et vous ? Moi toujours derrière, avec les beaux gosses.